Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Frankie. Aujourd'hui on est sur un petit tuto spécialement pour vous. Et écoutez, en suivant la carotte, on y va tout de suite. Allez! Eh ben cher Frankie, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Le sujet de ce tuto est sur un nouveau trieur qui est ici. Il est formidable, il est joli, il brille. On est à la 1.12, ce qui est vraiment formidable avec les couleurs plus chatoyantes, des nouveaux blocs bien sympas. Et ce nouveau trieur bah, est utile pour quelle raison et comment marche-t-il et quelle est l'utilisation, Fringy, sérieusement. Alors, mon utilisation de ce nouveau trieur, un trieur de base, comme toujours, hein, avec les hoppers, il n'y a pas de problème, c'est toujours le même trieur, ça marche toujours aussi bien, c'est le plus efficace du système. Mais le souci que j'ai toujours eu dans mes trieurs, c'est que à un moment donné, on a tellement de matos qu'on a ce genre de choses. Des chests partout. Chests partout. Et je voulais éviter ça dans mon nouveau let's play qui est ma petite partie bien cool. Je m'excuse. Qui s'appelle Bienvenue en Savane. Et il me fallait un nouveau trieur. Car j'ai envie d'un nouveau trieur parce que j'aime bien avoir. J'aime bien tout garder. J'aime bien stocker mes choses, d'accord, mais j'ai pas envie d'en avoir partout. Donc. L'utilité de ce trieur, c'est que ce trieur, il va me séparer les items. Ils seront de toute façon triés, c'est une certitude, mais il va séparer une partie du stock global, on va dire, du stock total, en stock utile, donc ça va être un petit stock d'utilisation, donc les chests qui seront là en haut, et le surstock, donc tout ce qui restera, le stock en gros, le gros stock, on va dire. J'espère que je m'exprime correctement, parce que là on parle de logistique, c'est un peu le bordel. Ils seront dispatchés ailleurs. En gros, je veux un chest avec un peu de cobble là-dedans. Et tout le reste de la cobble, je veux qu'ils partent ailleurs. Et s'ils vont partir ici. Pareil pour tous les items que j'aurai décrétés. Donc tout le trigger sera pareil. Et il va dispatcher une partie dans mon chest utile, qui sera celui dans ma salle de chest, donc ceux qui seront là. Et tout le reste sera dispatché dans les autres chests de réserve qui seront généralement en dessous, mais pas dans ma salle de chest. Dans une autre salle de stockage, mais que j'irai rarement car c'est du stockage. L'utilité, ça sera ça. Donc, comment marche cette machine? On va y faire tout de suite l'expérience tout de suite. Alors, comme tout bon trieur, les amis, nous avons un chest de réception. Toujours pareil. Mon trieur se passe comme suit. Il va commencer à trier, de toute façon, il va trier des items, pas de problème. Et premier cycle de cette machine, il va envoyer dans mon stockage, qui est ici, ces chests qui sont ici, qui sont les chests, je m'excuse, utiles. Donc c'est là où je vais prendre mes items pour travailler. Et à partir d'un certain moment, la machine va dire, ok, on est bon, on a notre quota, et le reste, il va tout finir là-bas dessous, dans cette chest-là. Donc allumer la machine. On peut avec un bouton ou une plaque de pression. Et on va balancer nos items dedans. Donc on va envoyer un stack de chaque. Ce qui est parti. Et on va voir tout de suite comment ça marche. La machine commence à trier. Donc, comment ça se passe? Notre trieur il est là. Hein. C'est toujours le même système, le trieur. Il est ici. Là c'est notre colonne de hopper de tri. Nos trieurs qui sont ici, les modules de triage. Nous avons nos chests ici, de dispatching, on va dire, qui va envoyer dans ce circuit-là. Ici, on peut le remplacer par des hoppers. Moi, je préfère mettre des chests, c'est plus économique. Ça marche aussi. Et une fois que items arrive là, il se bloquera, parce que le système est activé et le bloc doit rester ici avec les slime blocks. Et le premier exercice de la machine, c'est qu'il va envoyer directement à notre stock qui est ici, qui est vide d'ailleurs, bien entendu, qui est notre stock utile. Donc c'est notre stock qu'on va utiliser. On est d'accord. Et une fois que le quota sera atteint, donc que le minuteur aura fini de tourner, il va lâcher les pistons, comme prévu. Comme vous voyez, celui-ci, il a relâché. Celui-là est toujours activé parce qu'il n'a pas été encore mis en marche, et celui-là non plus. Et le surstock va partir dans notre chest tout en bas. Donc
la hauteur des chests, vous faites comme vous voulez, vous pouvez en mettre jusqu'à où vous voulez, mais bon, ça va faire un sacré stock, quand même, ça fait un sacré stock. Et il nous reste toujours notre petit stock utile qui est ici, pas de problème, là c'est sur 8, c'est pas mal. Pour le triage, on est ok. Alors comment marche le système? Donc notre triage est ici, toujours pareil, notre module de tri. Le module de tri, du moment qu'il a capté un item, et qu'il va le mettre dans le trieur, il va allumer ses redstone, qui est ici, allumer le répéteur, et lâcher la torche pour que notre item descende. Par le même moment, il va envoyer le signal dans ses répéteurs, le retour du signal par le bloc de redstone, le slime block et le piston, qui part sur la suite du minuteur, et sur cet impulseur. Je l'appelle comme ça, c'est pas ce nom, mais bon, dès que je le trouverai, je le trouve, mais souvent en anglais, j'ai du mal à le retrouver. Bref, c'est un impulseur, il va envoyer une impulsion, et le piston va aller rechoper le slime block qui va prendre le bloc de redstone, et vous verrez le circuit pour que ça finisse là. On est d'accord là-dedans. Donc ici, notre minuteur, il est à 8. Répéteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Car ici, à partir d'ici, c'est l'impulseur. Et 8 répéteurs à 4 ticks. Et ça nous a laissé ici 8 items. Et ça, c'est formidable. Donc le répéteur peut être plus long si vous voulez plus de stock utile. Bien entendu, vous rallongez les rampes. Et l'avantage de cette machine, c'est que chaque module est indépendant. Ce module est totalement indépendant des autres et il lancera son minuteur indépendamment des autres. Dès qu'il y a un item qui va passer là, il va allumer le minuteur, verrouiller, déverrouiller et c'est parti. Et maintenant, logiquement, une fois que le traitement est tout terminé, tous les blocs de redstone sont rétractés et tous nos chests sont remplis. Celui-là, 56, 56. Pas 56 54, tiens non, il y a une erreur, il y a une erreur de calcul dans le système mère. J'ai peut-être pas mis un stack complet en fait. 8, 8, 8, 8, et 8, et 8, et on a 8 répéteurs de 4 ticks, c'est formidable. Donc je vous confirme pas qu'en mettant 2 répéteurs de plus, ça vous mettra 10 items. Bah, c'est totalement un hasard, mais ça va très bien. Et voilà notre système, comment il marche les amis, voilà comment il marche. Donc, à la base, c'est une machine qui est faite pour le triage et dispatching. Donc, le mieux c'est quand même de la faire marcher dans cette optique-ci. Bien entendu, si par exemple, vous arrivez à votre machine et vous voulez pas trier, vous voulez que ça parte tout dans le stock là, vous laissez le système comme il est ici. Cette lampe rouge, je veux dire que le circuit de stockage sur stock est bloqué et que ça va tout envoyer au démarrage dans notre stock utile qui est ici. Donc, tac, si cette lumière a allumé, je veux dire que tous les pistons sont activés, on est d'accord, tout est activé et le système est prêt à trier. Qui va commencer d'abord par nos stocks utiles et après notre surstock. Mais vous pouvez décréter aussi, dire non, moi j'ai pas envie de mettre dans mon stock utile, je vais mettre tout en stock. Donc vous faites comme ça, ça va tout rétracter les pistons, et vous pouvez lancer la machine. Le seul petit désavantage, c'est que le minuteur ne va pas s'arrêter. Donc du moment que vous enverrez vos items, il va tout envoyer sur stock, et les minuteurs vont se lancer, à un moment donné, ils vont pousser tous les pistons. Donc ça va faire le type inversé, on va dire. Donc c'est quand même mieux d'utiliser cette machine comme elle est prévue, comme ceci. Ça change pas grand chose, mais bon, c'est pas trop mal. Donc voilà les amis, pour cette machine. Si vous voulez que je vous fasse un tuto de construction, je vous le ferai, il n'y a pas de problème. Ici, il y a un autre petit reset, on va dire, de contrôle, s'il y a des pistons qui sont soit été activés sans être, soit être vraiment activés par erreur, en fait. On reset avec ce bouton ou avec la plaque, il n'y a pas de problème. L'avantage c'est qu'un piston peut débloquer deux circuits, qui est l'avantage, et c'est vraiment sympa. Et c'est à vous de décider comment vous voulez utiliser ce trieur. Moi je vais le mettre dans mon petit let's play du mode savane, et la nuit tombe. Et il sera incessamment
installer dans les prochains épisodes. Déjà un épisode en ligne, les amis, c'est bien cool. Le deuxième est en prépa, il est en montage, il ne va pas tarder. Allez les amis, on va faire un petit module, on va faire un petit module. Alors, je récupérais ça avant toute chose. Et puis, on est parti. Je récupérais ça, tac. Et on va faire un nouveau petit module pour vous démontrer comment est fabriquée cette machine. Alors, on va mettre des blocs ici pour faire venir les hoppers. On va mettre notre petite chest de sortie au cas où pour les items qui ne seront pas triés, bien entendu. Donc toujours notre ligne principale, notre convoyeur hopper ici. Ici, on va mettre. On va continuer dans notre lancée. Tac, tac. On est ok. On est ok. On met notre petit chest ici, mais c'est bien entendu pas le bon endroit que j'ai fait. Fringui, tu fais vraiment n'importe quoi. Voilà, déjà pour là, on est ok. On va faire suivre notre petit conveyeur de hopper. Donc la distance entre cet axe-là, l'axe principal des stockages, vous mettez votre chest d'utilisation à la distance que vous voulez, y a pas de problème, hein, c'est qu'une question de hopper, toujours et encore. Donc ça ne pose pas de soucis, vous faites ça à profusion, du moment que ce système-ci, tout ce bloc-ci, soit vraiment à cet endroit-là. Ça, vous pouvez le descendre autant que vous voulez, ça vous fallait aussi long que vous voulez, et ici, le minuteur, vous pouvez faire la longueur qui vous convient par rapport au nombre de tris qu'il vous faut. Alors, on va mettre ça là. On est ok, on met par-dessus, on le tire ici, ici, alors comme ça, et voilà, on est ok là, pouf, notre petite série de hoppers est bien installée. Donc on regarde si tout est bon, donc là ça va partir là tout droit, nickel, là c'est en descente directe, même si c'est dans le sens là, même si l'hopper est dirigé dans le sens là, il sera de toute façon aspiré par celui du dessous automatiquement. Donc là on est bon. On va configurer notre trieur. Alors on va prendre quoi comme item ce coup-ci? On va prendre la glowstone. Allons-y pour de la glowstone, pour une fois ça change. On va mettre de la glowstone là-dedans. Alors notre trieur il se trouve ici, mais il faut peut-être que je mette le module avant. Alors on va faire le module, autrement ça va pas être bloqué. Donc au moins mettre la torche en bas. Pas qu'il y ait de problème. Donc la torche est là, ça ne bougera pas. Ici, il nous faudra quand même ceci. Répéteur, on va finir le circuit carrément. Tac. Demi-dalle. Pourquoi une demi-dalle, les amis? Je vais vous démontrer tout de suite. Répéteur. Tac. Petit bloc bleu. Voilà. D'accord. Et notre petit trait de redstone. Donc là, on va pouvoir configurer notre petit trieur. Donc ici, on va mettre la glowstone que j'ai perdue. Je vais même mettre des redstone blondes si jamais elle va être perdue. Alors, on va prendre n'importe quoi. Allez hop, au pif du bois. Tac. Alors, on met un petit ici, normal. Ici, on met un aussi. On a 23, donc il nous en faut 21. Floup, on est ok. 3 x 5 et 1 x 6, on est bon. Le minute, le trieur est totalement configuré et actif. Alors, pourquoi une demi-dalle ici? Et pourquoi notre minuteur est aussi bas? Car sur le montant bloc, c'est-à-dire ici, il n'est pas en contact avec notre demi-dalle, mais
Il va conflictuer avec le piston. Tout simplement, il va conflictuer avec le piston, il va laisser le piston déployé une fois qu'il va être activé. Et c'est la merde. Donc c'est pour ça qu'on l'a décalé d'un bloc. Même si c'est une demi-dalle, on considère que le jus il passe. Hein. Ça passe quand même. Par une raison ou une autre. Donc c'est mieux de le décaler d'un bloc. C'est pour ça qu'on est à un bloc en dessous. Y compris aussi pour les slime blocks. Parce que les slime blocks, une fois qu'ils sont rétractés, ils sont là. Donc ici. On va faire tout de suite, je vais vous le démontrer carrément, comme ça c'est plus clair. Tac, slime block là. Une fois qu'il est déployé, il est là. Et si ça c'est en bas, bah ce slime block il est collé ici. Et dès qu'il redémarre, il arrache toute la machine. C'est pour ça qu'on a ce décalage aussi de ce point de vue là. Maintenant on va partir sur le minuteur. Le petit minuteur. Alors tac, on prend le bloc rouge et on est parti. Donc là il est plus long que l'autre là-bas, hein. On est d'accord. Là on a je sais plus combien de répéteurs. De répéteurs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 répéteurs, donc ça c'est pas trop mal. Donc on aura plus de items dans notre chest d'utilisation. 4 ticks hein, pour le répéteur, pas de soucis. J'ai mis une petite lampe de redstone, c'est amusant. Donc on va continuer là-dessus. Tac. Donc par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo au début, pas besoin forcément de mettre un piston collant, c'est des slime blocs qui collent, mais c'est une grossière erreur parce que une fois que le piston il a lâché le fois que le piston il a décroché, une fois que le piston il a été déployé, le slime block n'est plus resté, il reste plus accroché au piston non collant, donc non sticky, donc c'est quand même toujours mieux de laisser avec un slime block et puis un sticky piston, puis c'est tout. C'est le piston, après il n'arrive plus à récupérer, même si c'est du. Même si c'est ça, c'est censé être collant avec un piston. Une fois que le. Il l'a poussé, il n'arrive plus à le récupérer. Donc on laisse avec du sticky. Voilà, on est ok là. On va partir avec la deuxième partie du minuteur. Tac. Là, on est en orange. On va le laisser en orange. L'impulseur, je vous trouverai le nom précis, les amis. Hein. Volez pas, c'est une chose que je devrais savoir, mais j'ai toujours du mal à le trouver. Ce nom. Je sais plus si un RSR latch ou pas, je sais plus du tout précisément le nom. Donc je vais pas vous dire c'est quoi. Je vais passer en impulseur pour l'instant. Ça envoie une impulsion. Tac, alors ceux-là, à 4. Celui-là, on le dérègle pas parce que si on le dérègle, si on met des tics en plus, il y a eu piston. Pour ici, de ce point de vue-là, ça risquerait pas de poser trop de problèmes. Mais celui-là, il risque de. Le mouvement sera trop lent et les slam blocks vont rester collés avec. Donc c'est pas le but. Il faut que ça soit ultra rapide. Et c'est pour ça que on laisse un tick. Voilà. On est d'accord. Là on est bon, 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 on est bon. Deuxième chose, pourquoi on met. J'ai mis une lampe de redstone, mais on peut mettre un bloc, y a pas de problème. Une fois que le piston il se déploie, si on met de la redstone, dès que le piston il remonte, la redstone elle saute. Donc c'est pour ça qu'on met un bloc. Donc on peut mettre un bloc tout con, hein, sans rien dessus. Hein. J'ai mis un bouton pour désactiver quelquefois quand ça. C'est un peu compliqué quand le système est un peu bloqué. On met un trait de redstone. Pourquoi on met le trait de redstone? Cher Fringui. Car il nous faut le trait de redstone pour. C'est quand même mieux. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est quand même mieux pour que le système de reset marche sans problème. Alors on va mettre ça là, tac tac. Petit bloc, on ne sait pas faire le petit bloc, donc il faut ça. Votre petit piston. Bloc de redstone, une petite lampe, c'est joli toujours. Mange pas de pain et le petit bouton et là le minuteur est terminé. Donc tout y est, tout y est. Donc le trieur il est ici en bleu, toujours le même système, pas de tic, rien. Le trait de redstone, le minuteur qui part ici, donc un tic sur tous les répéteurs, sauf
pour notre petit impulseur, notre trait de redstone sur notre bloc, peu importe le bloc, notre piston sticky avec notre slime block et notre bloc de redstone qui va relancer le circuit, qui va faire suivre le mouvement de notre minuteur en bas, qui va allumer notre impulseur et qui va récupérer ou redéployer notre bloc de redstone. Et ici, il nous manque des hoppers, donc on va finir ça. Tac. Des blocs là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis aussi loin, bah, c'est pas le bon. Entendu, Fringy, franchement, décidément. T'es pas au point sur ce tuto. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, hein. Décidément, j'ai du mal avec celui-là, j'ai fait plusieurs vidéos, ça me convenait vraiment pas, le son était pas bon, je disais pas correctement, c'était pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Donc, tant que c'est pas suffisamment clair, je refais. Hein. Pour ça, mes machines, j'en ai fait plusieurs, c'était des essais, puis ça marchait pas, le son n'était pas bon, bref, c'était pas ça. On finit notre petite chest, et puis, on va tester tout de suite. Donc, m'excuse, le truc à savoir vraiment sur ce système, c'est que d'accord, ça c'est le même, hein, c'est exactement le même, sauf que le minuteur est plus long. On est d'accord. Il y a le reset qui est en haut, on est d'accord. Notre petite chest ici, de départ, il est ok. Il y a de toute façon, il y aura de toute façon nos boutons d'activation. Donc, c'est tout simple. Hein. Le bouton d'activation, hein, on va choisir notre couleur. On va prendre du... Dommage, sur le vert ça marche toujours pas. Hein. Les redstone. Ça c'est déjà, j'ai déjà cette couleur. J'ai déjà cette couleur. On va prendre du jaune. Tac. Le truc à savoir, qui m'intrigue, j'ai essayé de faire quelque chose pour qu'on puisse. Le système se relance automatiquement, mais c'est compliqué, ça va élargir la machine. C'est chiant. C'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué. Bien sûr, vous savez les amis que bon, moi, je fais des tutos sur ces machines. C'est quand même assez simple et basique. Hein. Mais d'accord, c'est efficace quand même. C'est toujours efficace, bien entendu. Mais bien entendu, les amis, il y en a qui font des machines bien. Des gars qui sont, on va dire, les amis, qui font de la redstone. Ils sont violents les gars, moi je vous dis, moi je l'arrive même pas la cheville. Hein. J'ai vu des gars qui ont fait des maps avec des systèmes de redstone ou des maisons. Ça fait peur à voir pour moi qui fais des petits tutos comme ça. Mais bon, il y en a qui sont super bons, hein. Il y en a qui sont super bons à Minecraft. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc là le truc, ouais le chest il manque un bout de chest. Bon, on s'en fout, on pire le chest, on fait comme ça. Tac. Là, on le met dans le petit bouton. Notre petit bouton d'amorçage, on est d'accord. Là, on n'a pas besoin de repeater, il me semble. Paf. Non, on n'a pas besoin de repeater. Le piston était activé. On relance une fois. Pouf. On est prêt au démarrage. Donc, on va virer tous nos items. On va les reprendre direct. Donc, nous avons ceci. Un stack. Nous avons du magma bloc. Ok. Ici, on a du de l'émeraude en bloc. Voilà. On est d'accord. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai mis des hoppers à la place de chest. Une paire de hoppers. Et on garde un chest complet. Un double chest, donc au choix, hein, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Moi j'aime bien mettre les chests, c'est quand même moins cher que les hoppers. Le bois c'est plus simple à trouver que de l'argent. Donc là le système est allumé, donc on va relancer tout ça. On balance tout ça là-dedans. Je vais prendre des items au pif aussi. Tac, je vais prendre celui-là et je vais prendre celui-là. Le seul désavantage, on va dire, de ce système, les amis, c'est que, admettons, on va faire ça comme ça, je reprends. Un bloc comme ceci, mettre là
Et là, pour le triage, on est d'accord. Mettre un chat de l'autre côté quand même, parce que ça va déborder. Il y en a déjà, d'accord. Le problème, ce petit. Je m'excuse. Ce petit alien qu'on va dire pour cette machine, c'est que. Vous avez pu voir, là, il y a des altiens. On est d'accord. Le système, pour ici, il s'est lancé parce que ça, c'est un truc qui va être trié par notre trieur qui est là-bas. Celui du fond. Ok, il n'y a pas de problème. Une fois que le minuteur est éteint, il va redéployer, ça va envoyer tout en bas. On est d'accord là-dessus. Seulement, pour là, on a deux stacks d'émeraudes au bloc. Le système va être, vu qu'il est déjà préactivé pour le démarrage, on est d'accord. Pour ce stack, il va être trié. Donc un pourcentage va aller dans le petit chest là-bas. Après que le minuteur a repris le bloc de redstone, il va envoyer tout ça en haut. Mais le système, à un moment donné, il sera de toute manière ouvert. Tout sera ouvert. Et le seul aléa de ce système, c'est que ici, quand le deuxième stack va repartir dans le trieur, il va réactiver le piston et il va rebloquer le circuit. Donc à un moment donné, il y a une partie qui va partir là et le reste, qui devrait être totalement l'inverse, va partir dans celui-ci. Donc. C'est ça le seul aléa, on va dire. Parce que ça marche pour. On va dire que c'est un système qui marche pour. Un stack ou plusieurs stacks, mais à la suite dans ce chest-ci. Si par exemple, on va prendre du bois, on va prendre celui-ci, on va prendre celui-ci, celui-ci. Si on le met comme ça. Le système, une fois qu'il va être activé, il va partir sur celui-là. Donc un stack, le premier stack qui va passer. Et le deuxième, vu qu'il est collé, il va passer aussi en même temps. Et le système ne sera pas désamorcé. Mais si on fait dans ce sens-là, et que le système se désamorce sur celui-ci, il ne se réamorcera pas sur celui-là. C'est juste ça le désavantage. Donc bon, si c'est des chaises d'utilisation, généralement vous allez utiliser tout ce qu'il y a là-dedans. Et il ne devrait pas être trop plein. Mais le seul truc qui peut poser souci, c'est que après, bah, ce piston à la fin du travail, il sera redéployé, il sera toujours collé au système. Et ça sera tout décalé. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que. Il faudrait presque un circuit pour. Faudrait presque un circuit pour mettre à zéro tous les trieurs. Mais ça risque de faire beaucoup. C'est ça, juste le désavantage que c'est. Donc au pire quand même, pour ce trieur, c'est quand même mieux de mettre dans l'ordre que vous avez, c'est de les mettre à la suite dans le trieur, pour pas qu'ils se désamorcent à chaque fois. Comme ceci, c'est toujours mieux, à mon humble avis, de faire comme ceci. Celui-là, il va partir dans le trieur. Celui-là, il va partir dans le trieur. Celui-là après, celui-là après. Et du moment qu'ils sont à la suite dans le trieur, il se désamorcera pas. Tout simplement. Mais pour le reste, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, est-ce que c'est bon d'avoir un bouton, un système pour désactiver? Ça, c'est un système global pour désactiver tous les trieurs d'un coup. Seulement si c'est activé entre-temps. Quand là, comme vous avez vu, il y a un truc qui. Le piston est tellement rapide, il a dupliqué un bloc de slime. Et ça m'intrigue. Il va falloir que je regarde si on peut le. Je vais regarder si on arrive pas. Ça me rappelle les tout premiers pulseurs que j'ai vus sur YouTube. Les tout premiers pulseurs pour dupliquer les blocs de diamants. Et c'était ça. Ça allait comme une. C'était un marteau-piqueur et puis dupliquer les diamants. Donc je sais pas si ça marcherait pas sur les. Si les dupliqueurs de diamants, on n'arriverait pas à les refaire tourner. Ou autre chose. Hein. Là, pour le slime block, il les a dupliqués. C'est pas la première fois que je vois. Vu que j'ai fait pas mal de vidéos. C'est pas la première fois que je vois qu'il me duplique mon slime. Ça peut être sympa vu que je suis en manque de slime pour mon let's play de Bienvenue en Savane. Pour dupliquer du slime, ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa. Voilà les amis. On va finir ici. Donc le triage est fait, là il y a toujours ceux qui sont pas triés, c'est bon. Ici, on est d'accord, ça marche. C'est toujours bien trié. Comme vous avez pu voir, vu que ça a été désamorcé, la tour est là.
C'est juste ça, le petit aléa. J'ai pas réussi à trouver un système pour. Faudrait qu'il y ait un système pour qu'il l'amorce, qu'il mette le circuit dans la bonne position en démarrage, en contrôlant ce chest-là. Mais c'est compliqué. Ça peut être un peu compliqué pour ça. Faire un risquerait d'avoir encore un gros système de redstone justement pour que le système marche dans un sens et pas dans l'autre. Et ça risquerait de prendre de la place et ça serait carrément presque plus un trieur quoi. Ce serait beaucoup de un gros système pour pas grand chose quelque part. Au prix là, on a meilleur temps de laisser comme avant. Et puis voilà. Faire une dalle ici, on récupère juste ce qu'il y a là, mais on pourra pas passer son tour en bas. Ça, juste le truc, le problème. Ou alors, au pire, même pire, hein, on pourrait même faire une colonne de hopper avec nos chests, avoir un verrouillage manuel ici, paf, on le laisse là ouvert, on le ferme. Comme ça, il est tout bloqué dans le chest d'en haut, comme ça, on prend nos items, machin, puis tu hop, pour aujourd'hui, c'est bon, on dégage. Puis sur le bouton, ça lâche tout, ça part en bas. Une fois qu'il a tout enlevé, on appuie sur le bouton. Mais là, ça devient du manuel, carrément du manuel. Donc, voilà les amis, j'espère que là, cette vidéo, ce coup-ci, elle est bonne. Ce petit truand, il est sympa, il est pas trop compliqué, il est pas trop onéreux, on va dire. Et puis, bah, j'étais content, les amis, de vous montrer ça. Je vous montrerai ça incessamment dans mon let's play. Bienvenue en savane. Dans un de mes épisodes, peut-être qu'elle aura évolué entre temps, peut-être que j'aurai trouvé une idée plus simple, un truc plus sympa pour bloquer les petits aléas, les petits problèmes mécaniques à cette machine, mais qui marche très bien. Et qui ça vous gagnera de la place dans votre chest. Allez les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto que ça fait un moment que j'en ai pas fait sur cette machine. Ce trieur d'items, nouvelle génération spéciale Fringy. Merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et de suivre la carotte, bien entendu. Merci à vous, merci beaucoup de suivre ma chaîne. Écoutez, à la prochaine. Et puis faites pas les fous et Pichou. Allez, salut à tous!